Le chef de l'État, Paul Biya, dans une correspondance datant du 14 juillet 2020, demande au Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Nguté, d'élaborer en urgence, en collaboration avec le ministre des Transports, le ministre des Finances, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Camerco et l'autorité aéronautique, un plan de restructuration, de relance et de développement de la compagnie dans l'optique d'ouvrir son capital social à hauteur de 51% à un partenaire stratégique privé conformément à l'article 5 du décret du 11 septembre 2006 portant création de la Camerco, peut-on lire dans cette correspondance. Depuis plusieurs années, la compagnie camerounaise connaît une situation financière plus que délicate. La société craigne une ardoise de 110 milliards de francs CFA, des pertes financières d'environ 126,2 milliards de francs CFA, un capital propre inférieur à la moitié du capital social qui est de 21,8 milliards de francs CFA. À 9 ans d'existence, 6 directeurs généraux se sont succédés à la tête de Camerco. Cette instabilité est certainement la conséquence des performances de la compagnie qui n'est pas véritablement parvenue à imposer et à imprimer sa marque sur le marché du transport aérien au Cameroun depuis le lancement de ses activités en mars 2011. Des responsables avaient plusieurs demandé la privatisation de la compagnie, mais l'État avait préféré dans un premier temps jouer la carte de la prudence. Maintenant que tous les signaux sont au rouge, les autorités décident de passer à la vitesse supérieure. La privatisation de Camerco va-t-elle résoudre un certain nombre de problèmes auxquels la compagnie a fait face au cours des dernières années? Avant de privatiser l'entreprise, il faut au préalable rendre l'entreprise vendable, ce qui risque d'être difficile pour Camerco car l'entreprise est sous un gigantesque poids d'une dette estimée à plus de 200 milliards de francs CFA.